Tu savais que ce soir, tu nous réunirais autour de ta parole. Et quand tu nous réunis autour de ta parole, c'est pour nous donner la force que toi tu veux. Fais-nous grâce, Dieu de toute bonté. Que nous disparissions. Que toi seul domine. Que toi seul prenne la place dans le cœur de chacun de nous. Tu sais aussi, Dieu. Et dans ce corps, nous sommes tourmentés. Et tu n'as d'autres de tout qui s'amène. Accepte alors. Dis-moi de nous visiter. Yako yako ta la biso. De nous délivrer. Yako kango la biso. De nous bénir. Yako pampo la biso. Et de nous guérir. Pe yako piki sa biso na mokolo. Nous te le demandons ainsi. Biso tosé qui n'a yako bon. Au nom de Jésus-Christ. Nam kombo na Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Que l'éternel Dieu vous bénisse encore une fois. Une joie immense que de nous retrouver au devant du Seigneur. Hier, on a été ici. Jusqu'à Pétard. Aujourd'hui, nous ferons un grand effort. Pour écouter notre temps. Et puis passer à la prière. Mais de tout mon cœur, je dis que Dieu vous bénisse. Je dis de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Qu'il te fasse du bien. Qu'il fasse de toi un sujet de tourment. Les gens prendront et c'est ton nom. Qu'il fasse de toi un sujet de ton nom. T'as pas de grand diplôme. T'as pas sorti d'une grande famille. T'as pas de grandes relations. Mais tu as un Dieu qui élève. Que tes dieux, que ces dieux-là te fassent du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Nous passons à la lecture du texte. Et puis nous allons écouter l'explication. Nous prenons Genèse. Chapitre 37, mon capo na tukumisato na sambo. C'est déjà les textes que nous avons voulu expliquer hier. Les amis, combien tu n'y vas qui tombe pour la lobby? Nous y revenons. Tous ongles y amolis sous les lobes. Genèse chapitre 37, mon cadet Mandela, mon capo tukumisato na sambo. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 11. Totangi zela liboso kina zela zobi na moko. Genèse 37, le verset 1er jusqu'au verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob avait acquis na mboka ya Canaan. Où avait séjourné son père. Isika tata na ye pe a wume la ta. Voici la postérité de Jacob. Tala okitani ya Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, tata okisimbo la 17, faisait paître le troupeau avec ses frères. Abadai koboko la libwene na bandekomi a libaye. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Mwanoyo, azaki pene ya bana ya libaye ya Bila na ya Zilpa. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph avait connu sa tata, ma kabumate et à Bamouama. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël avait connu Joseph comme les kabana
Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Joseph a dit. Il les raconta à ses frères. Et ses frères les haïrent encore davantage. Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ma boke yabino et sini yango. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On explique pourquoi la haine. Babi, Baïna qui est un pour l'abandon, deux pour l'abandon. Il lui encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles. Tala, Mwese, Sanza, Minzotozomi Namoko, s'est prosterné devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, papa, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères? Nous prosterner en terre devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Pour prendre quelques minutes seulement. Et puis nous allons passer à la prière. N'oubliez pas, précieux frères et sœurs. Nous sommes en train de parler de la gerbe. Oubliez, c'est notre thème. Mais je nous ai dit depuis hier que nous voulons en soi comprendre qu'est-ce que c'est qu'une gerbe selon les Écritures. Retenez déjà qu'on parle d'une gerbe lorsqu'il s'agit d'un recoupement d'épis. Ça retenait déjà. Quand on met les épis ensemble, ça forme un lot, un tas, un colis. On appelle ça gerbe. Retenez encore. Ce n'est pas n'importe quel produit. C'est des produits de champ, mais appelés céréales. Voilà, nom de Dieu, c'est ça. Des produits de champ en termes de céréales, qui sont des graines.
Autrement dit, homme de Dieu, si l'on prenait les membres, on les met ensemble, c'est pas hygiène. Parce que les membres ne sont pas des épis. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez vous les membres ne sont pas des épis. Mais les membres sont des fruits. Les épis, c'est comme le maïs. C'est comme toutes les autres grains qui sont céréales. Alors, dans la pensée de Dieu, nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est que cela. C'est ainsi que nous avons pris Genèse chapitre 17. Je répète les textes, après nous allons comprendre la pensée de Dieu. L'écriture dit que Jacob demeurait à Canaan. Où avait séjourné son père. On dit, voici la postérité de Jacob. Normalement, on citerait tous les enfants qui sont ici de Jacob. Mais ce n'est pas le cas. Le parle plutôt de Joseph seul. L'on dit ceci. Nous sommes ensemble. Je vous raconte l'histoire, après nous passons à l'explication. L'écriture dit que Joseph, Joseph, âgé de 17 ans, il faisait paître les brebis de son père. C'est-à-dire que Joseph lui-même n'a pas de brebis. Les brebis qu'il paie, c'est les brebis du père. Joseph n'a pas de troupeau. Que Joseph est le gardien des troupeaux du père. Si vous lui demandez à qui appartient le brebis, il dira au père, mais qu'est-ce que toi tu es? Je ne suis que le berger. Mais parce qu'il est le berger, il va prendre soin des brebis. Il doit savoir comment la brebis mange. Quel est le besoin de la brebis? Vous êtes là? La brebis appartient au père. En d'autres termes, Joseph, après tout le travail qu'il fera avec la brebis, il pourra dire, je n'étais qu'un serviteur. La même chose avec notre frère David. Il est en train de paître les brebis du père Mousse. Les lions est venu. L'ours est venu. David a défendu la brebis. David dit, achetez-moi ma présence à ses frères. Mais vous le tenez. Que la brebis était défendue. La brebis était défendue. Donc le berger a pris la part de lui. Quel que soit les sacrifices que le berger fera, il ne peut pas dire, comme j'ai délivré cette brebis, elle m'appartient. Il doit dire que je ne suis qu'un berger, mais la brebis appartient à qui? Au père. Et c'était ça le rôle de Joseph. Il faisait paître les brebis. Est-ce que vous acceptez dans notre enseignement que je vous dise que nous sommes des brebis? Vous croyez que nous sommes des brebis? À qui est-ce que nous appartenons?
appartenons. Nous n'appartenons pas au pasteur. Aux évangélistes. Aux apôtres. Parce que déjà apôtre. Prophète. Docteur. Moïse t'a dit ceci. Lorsque tu trouveras l'épée de ton frère. Perdu. Et bungi. Vous êtes là? L'épée de ton frère est perdu. Et que tu les retrouveras. Tu gardes ces deux-là. Jusqu'à ce que ton frère viendra les chercher. Et même si c'est toi qui l'as retrouvé. Ne dis pas qu'il t'appartient. L'assemblée des saints n'appartient pas à un pasteur. L'Israël a la sainte salité à monter, il manque son volant. On ne peut pas voir dans l'assemblée des saints les photos de notre papa pasteur là-bas. Ton conseil, c'est que vous avez ces photos là-bas. L'Israël a la sainte salité à monter, il manque son volant. Dans l'assemblée des saints, l'Israël a la sainte, les papas pasteurs ne peuvent pas nous dire. Nous appartenons au Seigneur. Nous mais lui, il n'est qu'un gardien. Est-ce que vous comprenez ça? Attention alors. Dieu dans sa manière de travailler. Même si nous appartenons à Dieu. Et que les hommes de Dieu qui sont en train de nous conduire rendront compte de nos âmes. Oui, c'est ce que l'Écriture dit. Ils rendront compte de nos âmes. C'est-à-dire, nous avons nous aussi l'Église l'obligation d'obéir aux hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que Esther, notre sœur, était vierge. Elle n'était pas l'unique vierge du temps d'Assyrus. La loi disait, ou en bon français, l'Édite disait, qu'on choisisse dans les 127 provinces des vierges. C'est-à-dire qu'on avait choisi 127 vierges. Mais de ces 127, une seule avait plu au roi. Vous savez pourquoi? Oui, parce que déjà Esther, oui, Esther avait les indications de Mardoché. Elle avait les orientations de Mardoché. Ça veut dire que sans les ministères, moi, brebis, je ne saurais où aller. Ici, je veux que vous fassiez la part des choses. J'appartiens au Seigneur, oui. Nazali Pate Akolo. Et je dois obéir au ministère qui me conduit. C'est ça notre doctrine. Vous voyez ça? J'ai suivi quelqu'un qui prêchait dans un taxi. Nazali Kola Namoto. Côté la Namoto. Il dit le pasteur ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Alors il monte, il n'y a pas pour la tête, ça fait n'y a pas pour la bateau. J'ai gardé silence. Là, il a dit qu'il y a Kimi. Heureusement, là où je descendais, et c'est bon, il y a un petit tas, et si on a un kokenda, c'est là que lui aussi est descendu. Il peut acquitter le kakawana. Je vais demander. N'a tout bien moutouna. C'est Dieu qui bénit. Et ça dit, ça va mener à tout. C'est pas le pasteur. Et ça dit, mon bain monte, il était. Ça signifie quoi? Et il me dit non. Le pasteur trompe les gens. Non, non, je dis, ça veut dire quoi?
foi. Ça veut dire que il donne la réponse. L'homme de Dieu peut ne pas être là. Dieu va me bénir. Tu as menti. Dieu, depuis la création, utilise toujours un homme pour qu'il passe par cet homme-là avant que nous nous soyons bénis. C'est ainsi qu'il dit dans Jacques. Une seule source ne peut pas sortir de type d'eau. C'est ça, non? Dans votre bouche, il va sortir la bénédiction. C'est-à-dire que les hommes de Dieu nous bénissent. S'il vous plaît, veuillez pour là-bas. Est-ce mon micro? Oui, c'est normal, les aléas de la technique. Je sais qu'un jour Dieu te bénira, on va changer les instruments. Cette souffrance va te venir, je sais. Ok, mais regardez là où partons. Joseph, en train de paître les troupeaux, il rapportait au frère, au père, je vous dis, les mauvais propos des enfants des îles et des Pilats. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais regardez, les pères aimaient beaucoup Joseph plus que ses autres fils. Pourquoi il l'aimait? Parce qu'il a eu à la vieillesse. Comment l'écrit? Vieillesse. C'est ça? J'ai bien écrit? Non, attendez. Vieillesse. Ok, vérifiez l'orthographe. Si j'ai bien écrit. Il y a U, hein? Où ça? Entre E et R et I. Comme ça? I, c'est ça? I encore? Donc I deux fois. Ok, c'est bon. Est-ce que vous ne m'avez pas menti? Vous avez livré ça? Notez, le premier point. Pour comment elle bosse? Joseph est aimé plus que ses frères. Joseph a l'ami mingi qu'on est capable de connaître. Parce que Joseph est né quand? Il a dit bosse pour que Joseph a porté un tamponi. À la vieillesse du père. Na bon paka ya tata. La vieillesse ici, c'est pas la vieillesse de n'importe qui. Bon paka, on les a dit à Montagnon Sotel. C'est la vieillesse par rapport au père. Les amis, bon paka ya tata. On parle même pas de la vieillesse de la mère. Parce que le tata bon paka ya maman. Non, on parle seulement de la vieillesse du père. Parce que le bon paka ya tata. Ça, c'est la première chose. Deux. La preuve de l'amour du père envers les fils. Et l'horizontal, il sait que tata l'ikimwana. Le père fait une tunique de plusieurs couleurs. Tata salimwana et la mort à Katia Balangi et Bélé. Ça, c'est très important. Donc, quand nous regardons cet état ici de Joseph, ça fait un surplus. Par rapport à ses frères. Ils ont le verset 3 et 4. Tout en gars, Genèse chapitre 37, oui. Le verset 3 et 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Oui. Ses frères virent que les pères, leur suivez, père. Suivez. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Batata Bamona qui était. Et ils les prirent en haine. Merci. Les pères veulent contre la tunique de plusieurs couleurs. Tata salé moi na oué salé la baba la gébélé. Et que l'enfant est né à la vieillesse. Père moi na oué na zona qui n'a bon pas qu'à tata. Les pères aiment plus que les autres frères. Père tata lié connaît comme un déconné nous sous. Les versets 4 et 10. C'est terminé. Que les frères.
Une question simple. Qu'est-ce qui a suscité la haine entre Joseph et ses frères? Est-ce que c'est les œuvres de Joseph? Est-ce que c'est les actes de Joseph? Est-ce que c'est les actes de Joseph? Je veux que vous compreniez ça. Est-ce que c'est les actes de Joseph? Je pose la question autrement. Qui est l'auteur ou qui est à la base de la haine qui existe entre les frères et Joseph? C'est le père. Voilà pourquoi moi je crois que le père c'est le maître des esprits. Le père, tata, il fait que beaucoup d'amour soit envers Joseph. Et que les autres, ils sont aimés, oui. Mais la dimension, la mesure de l'amour est différente par rapport à Joseph. Ça suscite dans les frères de la haine. Y a mon de potes ici qui n'en a quatre abandonnés. Je dois nous exhorter. Et c'est que dans l'un des abysses, vous, Pino, parce que Dieu vous aime. Le corps en tamba n'inga Pino. Vous serez haï par des gens sans le vouloir. Et donc, il n'a manaba to attaque au sali bango ma bête. Quand tu diras, je n'ai jamais fait du tort à celui-là. Tambo kolobana tika la attaque au sali ma bête. Pourquoi il a de la haine contre moi? Ce n'est pas toi. C'est parce que toi, tu es aimé de Dieu. L'amour suscite de la haine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je sorte encore. Je ne veux pas dire que là dans la maison, vous avez trois fils, vous avez quatre fils, aimez un, laissez l'autre. Non. Non, non, si vous voulez faire comme Jacob, que cet enfant-là soit né à la vieillesse, qu'il soit hébergé, et que vous serez cousu pour lui. Il est de plusieurs couleurs. Est-ce que c'est ça le cas chez vous à la maison? Il y a bon des années ça la maison. Sinon la sœur dira, l'apôtre a même prêché ça. Pourquoi tu demandes toujours cette fille qui se comporte mal? Mais cette fille va à l'école et rentre toujours en état. La sœur défend toujours. Elle risque de se réfugier derrière ses baisers. Tu dis, moi, c'est ça qu'on a même péché. Non. Si vous voulez qu'il en soit ainsi, ce qui m'a dit, ça n'a pas de parabino. Ayez aussi alors, il dénique aussi pour lui. Bino peut vous saler là, il a mal au col à la salle là, Yosef. Que Dieu vous bénisse. Ah. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez le voir. Nous avons compris que ce sont les bons. Que ce qui a suscité la haine, on est pot ici. Un, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Continuons. Tokoba. Verset 5. Zéla Mine. Nous de verset 7 à 8. Zéla Sambo na Yamouambe. Totamina comme on est sous. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étendit. Là, c'est Joseph qui a eu un songe. Il dit, quand nous étions alliés les gerbes dans les champs, tant aux Zalaki, hein, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. L'évangile n'a dit son gerbe. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'évangile a dit dans notre évangile, il y a des adorateurs. Ah, les gerbes sont aussi des adorateurs. On va découvrir ça. Le verset 8. Oui. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Oh.
Moi, je suis en train de raconter l'histoire de la gerbe. C'est-à-dire, je parle des choses qui se passent dans les champs. Soyez ici, pardon, soyez ici. Soyez ici. Il a mis un songe. Il raconte à ses frères. Il nous étions dans les champs. En train de lier les gerbes. Je vous rassure que Joseph n'a pas dit que moi seul j'avais des gerbes. Il a dit que nous étions alliés. C'est-à-dire, moi j'avais ma gerbe. Chacun de nous aussi avait des gerbes. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant il dit ceci. J'ai dit dans mon songe là. Ma gerbe à moi s'est levée. Oh là là. Ma gerbe à moi. Que nous avons dit ensemble, la mienne s'est élevée. Et j'ai mis vos gerbes à vous. Venir entourer la mienne. Et ce que je comprends de Dieu. Quand la Vierge s'élève, les autres vierges vers. Qu'est-ce que je dis? Gerbes doivent s'approcher. Oh là là. Ne s'est pas élevé. Ah, tant que l'homme qui n'a pas tombé, prédisons. Je veux que vous, si vous soyez dans la pensée. Ah, prédisons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Soyez pas distrait, je vous en prie. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Abia, ton bataille qu'au Kanga, ma porte la mission, il y a nos babilanga, la katabilanga. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Tala, l'hypokio yanga. Et telemi, pesemwami, s'élever et se tenir debout. Et telemi, ne prenez pas ça. Et telemi, ce n'est pas qu'on telema, il dit qu'on a que position à l'imposé d'un tel telema. Ah. On s'en calme là. C'est une position à l'imposé d'un tel, là, qui a volé la paix. Maintenant, comment on a et telemi, pesemwami, s'éleva. Oui, Alice. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Et il a appelé ce Christ et la vôtre de notre Dieu. Jésus, l'amour, vos gerbes à vous, Mama Bokeo et Abino, venir entourer la mienne et y'a qu'au Zinga ou Yanga, elle adorait. Je comprends ceci dans la pensée de Dieu. Quand il me gerbe, et encore par terre, il n'y a pas d'oration. C'est ça le texte. Pour que les autres gerbes s'approchent, il faut que celle qui était par terre s'élève. C'est ainsi que les autres s'approcheront. Pas seulement se relever, mais se tenir debout. Mais en d'autres termes, la gerbe qui se relève, et qui se tient debout, c'est la gerbe qui a l'indécis sur les autres gerbes. La gerbe par terre signifie une vie qui est coupée. La gerbe s'est levée signifie une vie qui est debout. Quand elle se lève, elle attire les autres. Ça parle exactement de Joseph. Le verset 8. Oui. Ses frères lui disent. C'est pas lui qui dit. Hein? C'est pas lui. C'est le frère. Et ça arrive à déconner. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce qu'il y a le maïbomo? Est-ce que lui l'avait dit ça? Dans mes confrères. Mes frères. Est-ce que Joseph a le maïbomo? Est-ce que Joseph avait dit ça? Qui est-ce qui interprète? Hein? C'est que. Attends,
motema mabe na ye ezala makamsu nzamba ozai la yo au comprendre oyo nzambe. Malgré sa haine, il comprendra que c'est Dieu qui est en train d'agir en ta faveur. Déjà ici au verset 3 et 4, nous avons dit qu'ils avaient de la haine à cause de l'amour. Mais ici, quand le songe vient, les mêmes personnes qui avaient la haine, ils donnent l'interprétation, ils disent que tu vas nous gouverner, tu vas régner sur. La haine des hommes ne peut pas annuler les promesses de Dieu. Amen. Ça, je dis vrai. La mauvaise foi, le manque de bonne volonté des hommes, la méchanceté des hommes, ça ne peut pas empêcher la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mais ce que je ne sais quoi, Joseph n'a rien répondu. Joseph n'a pas dit, Joseph n'a pas dit, Joseph n'a pas dit, oui, je régnerai. Joseph est resté calme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que ça, c'est le temps des songes. Le temps où je parlerai, c'est le temps de l'accomplissement des songes. Jésus, je dis toujours à mes frères, si quelqu'un te hait, ne t'en fais pas. Yo komi tungisa te. Ne soyez pas congolais. Les congolais, c'est des gens qui, quand vous collaborez bien avec lui, et quelque part, ça n'a pas collé. Mais il va à gauche. Il va te créer des histoires, même celui que tu ignores, ceux que tu ignores. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Congolais à bon mot. C'est ça, les Congolais. À propos de ma camoufle, les Capoumoutouana, il va y aller. C'est seulement fait que cet homme-là te hait aussi. Mais toi, mais Cassio, garde silence. Battez la chimie. L'éternel combattra pour toi. Voilà, pour nous. N'ayez pas l'habitude de chaque fois de justifier. Vous avez la qualité na bomesa na komi longi saka na makambo. Ok, mais ça, comme on l'a dit, ton fan de l'amour, pour aller à Tanga Kinga. C'est une habitude. C'est Paul qui l'a dit. Pour accepter de souffrir certaines injustices. Quand il a connu comme un makambo, on se soit tard au Kokaka Kolonga. Il a dit ma cause de la naille. Moi, je n'aime pas comme un calomnie. Ton fan de l'amour, ta l'église, ton fan de l'amour. Nous allons siéger l'église avec l'église. Nous allons siéger l'église avec l'église. Nous ne verrons pas où siéger. Ils sont à toi, tout le monde est là. Nous verrons écouter la parole. Acceptez certaines injustices. On dit ma comique qui s'attend à ma parole. Il y a des gens qui se glorifient dans la colère. Et ça n'est pas tout le monde, mais comme ils s'avaient dans la carte à Kanda. Mangez un petit. Le corps va t'a dit comment on a les capons à éviter. Comme on a cité mon nom dans les histoires. Là, il dit à l'homme. Non, ça ne va pas s'arrêter ici. Papa, conseil n'aïe au caran. Nazar va vous sentir, mais vous soukawate. J'écoute le conseil, mais sans tout. Amen. Qui ne fait pas de bon mariage. Oh, n'abandonne
Amen. N'est-ce pas ça? Amen. C'est que Naomi dit ça, ma boy. Je suis en train,
Je suis persuadé. So you aux Angel. Si toi tu es une gens Angel. Moi aussi une gemme. Il y a Angel. Lui aussi une gemme. Misala malamu nangai. Mes bonnes sœurs. On a supposé l'église au que je suis en train de poser dans cette. Et c'est possible que misala malamu wana. C'est possible que ces bonnes sœurs. Ma bête à l'histoire n'a pas l'assemblée de ceux à qui Satan. Vous êtes rencontrés à. Vous êtes Hollanda. Amen. Ma classe n'a plus saut. Dans notre classe. Ils ont ma professeur nangai là, ma collègue nangai. Il faut que mes professeurs et mes collègues. Bataille maintenant ma vie. C'est pourquoi nous disons que nous n'empruntons pas. Mais tout ça, mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous prêtons. Ah, ils ont un bon côté, un tout côté. Dans ma pays, nous sous à tous les millions, nos frères, pour son mot tout cas, il faut défendre. Pour avoir un cash de 50 000, il faut emprunter. Tu n'as pas acheté le cash. Ah, je vais l'emprunter. Habitudes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. École, la mise au mental à l'été, donc elle doit parler. Alors, ça est un mal à me contacter, Mando. Et impacter, Mando, je vous dis. Et mes bonnes habitudes les impactent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire, nous nous sommes les champs, tous alliés là-bas. Chacun de nous est une gerbe. Vous avez compris? On a pu soit sali. Parce que nous avons dit que la gerbe serait un individu, n'est-ce pas? Mais avant que toi tu ne sois accepté comme tel, il y a d'abord une gerbe. Il y a d'abord une gerbe. Et ça dit là, on a l'évoqué mon corps. Oh là là! Qui a été coupé? Oh, il y a quatre qui a qui est tombé? Oui, il a ma belle, la vie. C'est ça? La gerbe qui concoupe, qui tombe. Oui, oui. Est-ce qu'elle reste toujours tombée? Est-ce que tu as la qu'est-ce que les frères ont dit? Les frères ont dit que et Balobi, Joseph a dit Joseph Balobi, ma gerbe a fait quoi? Il faut qu'il en ait sa vie. Elle s'est élevée. Il y a moins télémi. Quand la gerbe qu'on avait coupée, tant bon niveau qu'on a kataki, tombée, quoi? Elle serait et télémi. Les autres gerbes vont adorer. Maman, pour que vous soyez sengeni et kumba, mes amis. C'est-à-dire nous. Nous avons une première gerbe. Nous avons déjà dit qu'une gerbe c'est un individu de ce moment. Est-ce que vous ne connaissez pas qu'il y avait un individu? Oui, nous t'es qu'à qui n'a pas tombé. Que Dieu avait coupé. On s'appelle Akata. Coupé signifie tuer. Quand on l'a enterré, les gens ont cru que c'est fini. La terre l'a englouti. Maïs. Ils se sont parlé. Ils s'entretenaient. Ils parlaient de qui? Ils parlaient de la gerbe. Qu'on avait vu. Oui, bah, mon ami. Qu'on avait coupé. Bah, qui est resté par terre. Oui, ah. C'est ça, non? Ah. Ils parlent de cette gerbe, de la gerbe. Balobie. Mais pendant qu'ils s'entretenaient, quelqu'un vient au milieu d'eux. Quelqu'un vient au milieu de vous. Il y a un demandeur. De quoi parlez-vous? Vous êtes consolani. De quoi vous entretenez-vous? Vous êtes consolani. Tu es le seul qui ne sait ce qui s'est passé à Jérusalem. Un prophète puissant. Nous on avait pensé. Mais c'est lui qui délivre Israël de la serpente. Depuis qu'on l'a vécu, il est ça 3 jours passés. Il est sur la terre. Abimité. Il n'est pas là. Vous voulez dire qu'il y a la gerbe? Pasteur. Est-ce que vous comprenez? Vous avez pensé sur la gerbe? Mais on s'est dit que lui, ils ont oublié que hier, quand on l'écoute, ils sont qui m'a cassé. Il tombe. À quoi? Il ne reste pas toujours la garde. Il doit se relever. Heureusement, s'il ne se relève ou pas, comme il s'est relevé, l'adoration est là. Il en sait pour les animaux. Que Dieu vous bénisse. Ça fait à part pour les animaux. Regardez pour terminer. Pour les disciples s'entretenaient comme cela. Pour eux, c'était fini, c'était le désespoir. Pour eux, c'était le désespoir. Pour Nabango et Sila qui. Et lui qui est Zaki sous terre. Écoute ce qu'il leur dit. Yoka Emsi Bango. Je vous avais dit qu'il s'accomplirait. Mais Saki Bino était coco qui s'amanca. Ce qui était écrit à mon sujet. Dans la loi. Dans les psaumes. Dans les prophètes. Oh.
Que nous fassions cet exercice. On peut faire ça? Amen. Je vous avais dit qu'il s'accomplirait ce qu'on avait dit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Ah, les frères de Joseph l'avaient haï à cause de l'amour. Un. Deux, à cause des songes. Trois, à cause des songes et de la parole. Disons ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Disons ça, disons. Ne vous perdez pas, hein? Je suis en train de faire un petit exercice de l'Assemblée des Saints, ce qui est normal, n'est-ce pas? Amen. Oui, bien, il était un petit abonné. Amen. Notre roi est pas une soirée. Quelqu'un est venu, c'est Jésus, et lui a demandé, sa mère, dis-moi. Que dois-je faire pour avoir le royaume? Il fallait que Jésus lui dise, on l'a bien. Réponds-toi. Mais Jésus n'a pas fait ainsi. Et comment il a commencé? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a répondu. Il est écrit ainsi. Il a dit, fais cela, j'ai fait toujours ça. Jésus lui a dit, quelqu'un a quitté Jérusalem. À Jéricho. Papa, et comment il a eu j'ai posé la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelqu'un a quitté Jérusalem. C'est là-bas Jéricho. Sacrificateur à l'équipe. Adélicité. Lévite à l'équipe. Samaritain et Voléta. A quitté papa. Pourquoi tu t'es détendu? Il y a mon délité à Oyokimela. C'est ça l'enseignement auquel tu as cru. Vous croyez comme ça? Ah. C'est à cet enseignement-là que nous avons cru. Les années littéraux. Et le monde a l'évangile éternel. Même quand le discours prendra des heures, nous sommes dans la joie parce que notre vie dépend de cet enseignement. C'est ainsi que je n'irai pas dans une église parce que c'est l'église de mon oncle, parce que c'est l'église de mon grand-père. Je n'irai dans une église. Les champs des francs à Makpela vis-à-vis de Mamré, les champs et la caverne qui y est. Hein? Les champs, la caverne, les anakats, très bien. Les champs et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs. Est-ce qu'Abraham a dit pour cela?
Est-ce qu'Abraham avait besoin des arbres? L'écriture dit que l'Abraham a sauvé. Les champs qu'avait acheté Abraham. Les amis la casse. Qu'est-ce que ça avait dedans? Caverne. L'itoussou ya l'ibanga. Les amis la casse l'itoussou. Qu'est-ce que les champs contenaient encore? Ah! Banzete. Et les arbres. Mais Abraham avait besoin de quoi? Abraham avait besoin de quoi? Nalilita. De la tombe. Ya okunda boy. De la grotte pour enterrer son mort. Mais la 400 cycles, c'est là qu'il a rejeté ça. Mais avec l'argent 400 cycles qu'il avait. Le corps a moutoué. Comme il y avait mort d'homme. Tout rejoint la main. Nous allons prendre. Tout rejoint l'inita. Nous allons prendre. Tout rejoint l'inita. Nous allons prendre. Pour Sarah a couffi. Parce que Sarah est morte. Vous avez dit non? On dit non? Vous les croyez ainsi? Est-ce qu'on dit que Sarah, ça va moi si moi c'est abonné à mon bali? Vous savez que Sarah, la femme, la faiblesse de l'homme. Vous amenez Dieu. La Rosara Kaboli m'a croyé au coup. Comme esprit, il ne pouvait mourir. Il va là dans Soto. Il ne veut pas Soto. Et cette chair. Il va m'abonner à la faiblesse de Dieu. Le corps aillé à Koufi. Comme lui est mort. Comme on soit Elanga. Nous allons tenir les champs. Ton fil il est là. Nous retenons les champs. Ton fil en et aussi les arbres. Le corps aillé soit Koufi. Comme Jésus est mort. Comme on soit l'idée. Nous allons l'enseigner. La catalité à répondre à Dieu. L'enseignement. Les réponses. Vous croyez ce message? Amen. Parce que l'évangile transforme. Oui, que ça vous malade et bon. L'évangile donne la joie. L'évangile délivre. Amen. L'évangile rend libre les opprimés. Comme ça, quand on a mis mal soumis. Je vous dis frère. L'évangile donne la liberté. Ça vous malade et pèse à vos soumis. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir. Et ça dit dans mon tourment quand il n'a pas quoi les noms. C'est 100 ans lié quelque part. A commis mon aide à Kangami na mignolo le sikam encore. Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? Mon tourment quand il n'a pas quoi les noms. C'est 10 ans que je suis bloqué. Commis l'homme il a été à Kangami. L'évangile. Sangoma la va te débloquer ce soir. Il y a un peu de Kangola n'a pas quoi les noms. Parce que le champ est là. Oui, t'es là, mes amis. Il y a la caverne. Et ça dit dans les douces. Il y a les arbres. Et ça lui peine à banzer. Vous voyez ça? Ah. Tellement de bons nous avons pris. Tout tellement pété que ça fait là. N'oubliez pas. Vous savez, tout ce que nous avons étudié ce soir. Bien sûr, Dieu qui n'a pas pour les hommes. Ça vient à la suite de notre enseignement. La bonne idée que vous avez pour combien de temps vous avez. N'oubliez pas de tenir debout, bien sûr, frères et sœurs. Donc, on dit que tellement à bander comme ça, c'est plus mal. L'évangile de l'histoire. Sangomala Mouizou qui s'amoto dans le coup moi ça tient. Dans cet évangile ici, il y a des gens qui sont venus paralytiques. Na kata Sangomala Mouizou na bato ba ya ba binama na bama tsotezo sala. Ils ont croisé Jésus. Ba koutami na Jésus. Ces gens ont recouvert la liberté, ils ont marché. Pe batouana ba zongia bosomi na bango ba tambola binama tsotezo sala. Je veux que tu lèves tes mains. Que nous disons merci au Seigneur. D'abord parce qu'il nous a donné la vraie parole. Il nous a donné la vraie parole. Cette parole, quand on la lit ailleurs, quand les gens lisent ces versets ailleurs, ils sautent ça. Mais toi, tu en as l'interprétation. Élève ta voix. Bénis le Seigneur pour cette grâce. Prions dans les noms de Jésus-Christ.